Jackie m'a dit que t'étais rentrée. Bonjour, Léon. Tu n'as pas changé. Pas de bêtises, hein. Comment veux-tu que j'ai pas changé? Puis avec la vie qui me fondait, là. Tu vois, ce soir, je voulais fermer, puis rester tranquille en bas devant la télé. Ben, j'ai voulu ouvrir. Ils vont me tenir là jusqu'à 4, 5 heures du matin. Mais j'en ai assez, attends. Dites-vous là en bas. Dans une heure, je ferme, hein. Je te dérange, non? Pas du tout. Tu veux manger? Oui, oui, s'il y a quelque chose, oui. Tiens, installe-toi. Et ton mari? Tu l'as manqué, il vient juste de finir de manger. Où il est? Veux-tu qu'il soit? Dors. Comment va-t-il? C'est du bourguignon. J'espère que t'aimes ça. Bah, tu sais, il se fatigue pas beaucoup, hein. Si je devais compter que sur lui, on mangerait pas tous les jours. Ça me fait un drôle d'effet de te revoir. Moi aussi. Alors, comment c'est là-bas? C'est comme partout. Un peu plus grand. Chaud. Et où tu vis? En Californie. Mais à New York même? Ah non, New York, c'est de l'autre côté. Et c'est aussi beau qu'on le vit? Oui, c'est beau. T'as toujours du soleil. T'as toujours du soleil? Il y a tellement de soleil que je te jure, par moments, t'as envie d'un orage. De mettre un imperméable et d'aller te balader sous la pluie. C'est vrai, il n'y a pas de saison là-bas. L'hiver, ils savent pas ce que c'est. La première année, tu fais pas attention, mais après, je te jure, t'en arrives à souhaiter l'hiver. Moi, il y a 10 ans que j'ai pas vu la neige, et ben, je te jure, j'en ai envie. Oh, bah alors pour ça, tu vas être gâté, parce que... Ici, c'est pas compliqué, il n'y a plus d'été. Non, bah, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, ma mère avait une petite maison, là, à Blanville. Il faisait beau, on mettait des toilettes claires, les bonnes femmes avaient des ombrelles, on s'asseyait à la terrasse des cafés pour manger des glaces. C'est fini, tout ça. C'était pas assez salé. Non, non, c'est très parce bien. Parce qu'ici, tout le monde est au régime. Non, non, c'est très bien. Tu sais pas ce qu'un client m'a raconté l'autre jour? Il a vu des gens jouer en imperméable sur la plage, en plein mois d'août. C'était pas malheureux. Oh, je t'ai pas donné des serviettes. J'ai souvent pensé à toi, tu sais. Le vieux envers du pays, c'est magnifique. Mais j'aurais bien aimé voyager. Mon rêve, moi, mon rêve, ça aurait été d'aller au Brésil. Tu connais le Brésil? Non, non, je suis allé au Mexique, mais le Brésil, non, je connais pas. Mais j'ai un ami qui vit là-bas. À Caracas. C'est au Venezuela. Ah bon, c'est l'autre à côté, c'est pareil, non? Oui. J'avais connu quand j'étais jeune fille. Il était bien distingué de sa personne. Ilman, il s'appelait. Alors, tu sais, à Blonville, avec des copines, tous les soirs, on allait dans un endroit, hein, toujours le même. Et... il était là, puis il nous regardait. Et puis, un soir, il nous a invités. Alors, on n'osait pas. Et puis, il avait une amie, là. Il lui plaisait bien. Hein? Alors, elle a accepté. Ben, tu me croiras ou non, c'est à moi qui l'ai fait la cour. J'étais belle, tu sais. Enfin, j'étais jeune, quoi. Et
Il m'a proposé de m'emmener. Tu veux un café? Oui, oui, si tu as, je vais bien. Et tu n'as pas voulu? J'avais ma mère, il était anglais. Et puis j'étais bête, surtout. On fait sa vie, bien sûr. Mais, mon Dieu, ce que j'ai peur de la tête. Si c'était à refaire... Tu partirais? Ah, oui, je partirais. Ah, oui. J'aurais vu du pays, j'aurais connu des gens. Tu vois, mon petit Bruno, je vais te faire une confidence. Marcel, j'ai jamais trompé. Mais Ilman, eh ben, depuis toujours, j'ai sa photo dans mon sac. Léon, on a soif. Et alors, vous n'êtes pas assez grand pour vous servir tout seul? C'était délicieux. Ben, je suis contente que ça t'ait plu. Tiens, j'avais perdu l'habitude. Il faut tout faire ici. Si vous n'êtes pas content... Oui, je sais, on peut aller ailleurs. Tu restes quelques jours? Combien je te dois? Une paire de mains. D'ailleurs, je pars pas tout de suite, je vais les voir jouer un petit peu.